Caroline est une fille de 12 ans. Elle vit avec sa mère, son père et ses deux grands frères. Avant, elle avait un petit chat, mais il est mort. Ce qu'elle aime, c'est faire du volet, être avec ses amis, les bonbons et le café. Elle en boit trop d'ailleurs, en cachette de sa mère qui regarde la télé. Ce qu'elle n'aime pas, c'est les garçons. Pensez à la mort de son petit chat et son père qui crie beaucoup. Mais c'est qu'elle aime encore moins devoir se lever tôt pour aller à l'école. Allez, pousse-toi. Zut, il n'y a plus rien à manger. Alors bébé, tu pleures encore ton petit chat. Regarde comme elle est mal habillée. Trop nul. Hey, salut, bien dormi? Oh là là, tas de misère. Heureusement, dans le bus, elle s'assied toujours à côté de son pote Kylian. Kylian est un garçon de 13 ans. Il a des rastas. Hey, regarde un peu le rasta rocket. Kylian n'aime pas se faire traiter de rasta rocket. Et comme il fait du karaté, il ne se laisse pas faire. Kylian est un bad boy. Il aime dire des gros mots. Ma couille, fuck, tas de bouseux. Ce qui fait toujours rire Caroline. Kylian est souvent en colère. À l'école, parfois, il insulte même les profs. Jeune homme, vous serez en retenue vendredi. Je m'en fous. Qui est Kylian? Depuis que son papa n'est plus là, ça ne se passe pas toujours très bien. Maman, je suis rentrée. Oui. Ce que Kylian n'aime pas, c'est que sa maman vient lui dire bonne nuit et qu'elle sent l'alcool. Maman, je suis grand maintenant. Oh. Ah, comme elle est moche. Regarde la tronche qu'elle a avec son appareil. Viens près de nous, Luna. Luna a 16 ans et elle aime écouter Soprano. Et ce qu'elle préfère, c'est manger des tablettes de chocolat et se promener dans les prés. Ce qu'elle n'aime pas, c'est quand les gens se foutent de sa gueule à cause de son appareil dentaire. Luna rêve de rencontrer l'amour. Elle ne remarque même pas Akhenatin qui n'a dû que pour elle. Akhenatin a 16 ans, le même âge que Luna. Akhenatin a des goûts bizarres. Il écoute autant Brassens que les Beastie Boys. Il s'habille autant en gothique qu'en training. Ça dépend de son humeur. Aujourd'hui, il est plutôt d'humeur... gothique. De la famille d'Akhenatin, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais il s'en fout. Ce qu'il aime dans la vie, c'est être avec sa famille et ses amis. S'occuper de sa tortue et aller au patron. Il a tout de même un rêve secret. Il voudrait une moto et se promener avec Luna sur les routes de campagne. Alors, il s'assied toujours devant Luna dans le bus. Il rêve qu'un jour, elle le remarque. Mais il est beaucoup trop timide et il n'ose pas lui parler. Mais va lui parler, tu en crèves d'envie, ça se voit, pète un coup. T'es fou, elle voudra jamais de moi, elle préfère les garçons plus âgés. En plus, j'ai qu'un vieux GSM tout pourri. Pfff, trop naze. Regarde, j'ai reçu les dernières iConnect. C'est trop grave, tu peux mater des films avec des dragons et des robots. Tu peux scanner des filles et voir leur profil sur Facebook. Wow. Regarde, il y a même un pain intégré. J'en ai rien à foutre de tes histoires de GSM. Moi, c'est une moto comme ça que je veux. Moi, c'est des femmes comme ça que je veux. Pfff, bande d'obsédés, on dirait mes deux grands frères. Oh, ma couille! Elles sont trop tard. Waouh! Elles sont what the fuck? Bande de gros nazes! Moi, je rêve trop d'avoir une guitare électrique. Je vais en acheter une à crédit. Comme mes vieux ont fait pour la télé, la tablette, l'ordinateur, la tondeuse, la bagnole, les vêtements, les chaussures, le chien, la télécommande, le mixeur, la nouvelle cuisine, le salon. C'est dingue! Chez moi, y'a pas tout ça. Mon père, il se méfie vraiment des banques et des crédits. Tu déconnes! T'as même pas des grands plats chez toi! Comment tu fais pour regarder les Simpsons? Vous n'aurez pas un truc à bouffer, j'ai la dalle. Cool. Regardez ce que j'ai cueilli, moi, dans le jardin ce matin. Berk. Moi, je veux bien un peu de tout. J'ai bon, ma couenne. Oh mon dieu! Attends, je vais t'aider. Hey! Mais t'as le même GSM que moi, tu le trouves pas un peu dépassé? Bah non, il marche très bien. Akhenatin déteste quand il est gêné. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu t'assieds à côté de moi? Mais cette fois, il ravale un peu sa fierté. Mm-hmm. Oh, regarde, je rêve d'avoir une moto comme ça. Tu viendrais te promener avec moi? Et si on allait plutôt à pied? J'adore me promener, moi. À pied? Tu serais d'accord? Bisous, bisous.
Bisous, bisous, les amis.